Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés, encore une fois, de plonger dans la parole de Dieu, de partager le pain de vie. Nous allons découvrir ensemble un sujet qui s'intitule « Qu'est-ce qui a amené Jésus dans le monde? » Qu'est-ce qui a amené Jésus dans le monde? Avant de commencer, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous les péchés, pardonne nos offenses. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin qu'il nous aide à comprendre ta parole, à comprendre quelle était la mission de Jésus dans ce monde. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Qu'est-ce qui a amené Jésus dans le monde? Nous allons lire ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16 et le verset 17, où la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous lisons également dans Romains chapitre 6, le verset 23, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Adam, évidemment, a péché contre Dieu, il a transgressé la loi, il n'a pas obéi au commandement, à l'instruction de Dieu, il a mangé à l'arbre que Dieu lui avait défendu. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Nous lisons, nous venons de lire dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Chers amis, souvent nous prêchons l'Évangile, nous expliquons à propos de Jésus et du salut qu'il a apporté au monde. Mais nous ne réalisons pas exactement ce qu'il a amené dans son monde, ce qu'il a fait et qui crucifié, c'est qui, parce que Jésus est mort pour nous. Il est mort pour à notre place. Réfléchissons-nous un peu pour avoir que nous ne marchons toujours pas dans la même chose qui a fait venir Jésus-Christ. C'est le péché qui a fait venir Jésus dans ce monde. Est-ce que nous qui prêchons l'Évangile, nous qui appelons les ses disciples, est-ce que nous ne sommes toujours pas dans le même péché? Ce qui a amené Jésus-Christ dans le monde, c'est le péché sans aucun doute. Une fois que nous connaîtrons la culpabilité du péché, il nous sera plus facile de nous repentir, de nous éloigner du péché et de devenir des enfants du Très-Haut. Tout comme nous sommes dans le monde de Satan, le diable, bien entendu, continue de donner des faux enseignements sur le péché, des fausses explications en ce qui concerne le péché. Il nous fait comprendre, il nous fait connaître certains péchés, et tout en ignorant d'autres péchés, nous continuons à commettre d'autres péchés, sciemment ou non. Satan sait qu'aucun péché, quel qu'il soit, n'entrera pas au ciel, parce que c'est un lieu saint. Et que Dieu lui aussi est saint. Satan sait donc que beaucoup n'iront pas au ciel parce qu'il les a trompés. Alors, qu'est-ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne le péché? Le Très-Haut dit que le péché est la transgression de la loi. Voici la définition de la Bible du mot péché. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. De quelle loi parle-t-on ici? Nous lisons dans Exode chapitre 31, verset 18. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dans Exode chapitre 34, le verset 1, nous lisons également. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées.
Nous lisons encore une fois dans Exode chapitre 34, si nous lisons le verset 28, la parole de Dieu nous dit, Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables, les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Donc, l'Éternel a réécrit encore une fois ces dix commandements sur les dix tables de pierre. C'est l'Éternel lui-même qui écrive ces commandements. Cette loi est la constitution du royaume de Dieu, bien entendu, en tant que fondation d'autres commandements, d'autres ordonnances et statuts. Les dix commandements exigent la mort du transgresseur. Dès que tu transgresses la loi, dès que vous transgressez les dix commandements de Dieu, vous méritez la mort. Nous méritions la mort parce que nous avons péché. Chers amis, tous les royaumes du monde viennent de Dieu et tous ont des constitutions. Ils sont régis par des lois, donc des lois et des principes. Même le royaume de Dieu a sa propre constitution qui personne d'autre ne peut l'écrire parce qu'il est aussi saint que Dieu lui-même est saint. Cela a amené Dieu à l'écrire des fois sur les deux tables de pierre dans le désert. Et là où cette loi était observée, donc là où la loi était conservée, c'est là que le peuple venait chercher Dieu, car c'est là où Dieu se trouvait. Pensez que les dix commandements ont été abolis comme plusieurs l'enseignent, comme plusieurs le croient. C'est simplement, ça signifie simplement que le royaume de Dieu a été aboli, donc il n'existe pas. Donc il n'y a pas de gouvernement sans constitution. Dire que les dix commandements de Dieu ont été cloués sur la croix lorsque Jésus est mort, dire que Jésus est la fin de la loi, c'est simplement dire que le royaume de Dieu n'existe pas, a été aboli. Nous lisons dans Romains chapitre 13, le verset 1. Il est écrit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Nous venons de dire que tous les royaumes du monde viennent de Dieu. La Bible vient de le confirmer dans Romains 13, verset 1. « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Le premier à se rebeller contre la loi de Dieu, fut Lucifer. L'archange qui, quand il a désiré d'être comme Dieu, tenta les anges de le suivre. Il a convaincu un tiers des anges de marcher avec lui dans cette rébellion. Donc, ces anges lui ont obéi et il a commencé la guerre au ciel. Quand ils ont été vaincus, Jésus les jeta hors du ciel. Ils sont maudits. Lucifer est devenu Satan. Les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion sont devenus des esprits ou des esprits impurs ou des démons. Le nom Lucifer se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, le verset 12. Il est écrit seulement dans la version King James. Nous allons lire ce verset en anglais. Car si vous lisez ce verset dans la version Louis II ou la Bible Dissemer, vous n'allez pas trouver ce verset exactement comme il est. Nous allons le lire dans la version King James. Il est écrit « How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation ?» Si nous traduisons en français, et je vous rappelle également que la version King James est disponible en français en ligne. Vous pouvez télécharger la Bible, la version King James en français. Elle existe. Là, vous allez pouvoir lire, car il est écrit dans cette version-là. Nous traduisons le verset que nous venons de lire en anglais. En français, il traduit. « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin ?» as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? » Voilà la tradition d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12.
Le nom Lucifer se trouve donc ici. Un autre rebelle était Adam. Il fait d'une autre personne à se rebeller contre la loi de Dieu, car il a obéi à sa femme. Sa femme, on lui avait dit que l'avantage qu'elle recevrait et en se rebellant contre le Très-Haut, contre le Créateur, était d'être comme Dieu. Satan a menti à Ève, lui disant que si jamais elle mangeait le fruit de l'arbre défendu, elle deviendra comme le Créateur. Il est écrit dans Genèse chapitre 3, le verset 17. Il dit à Adam, puisque tu as écouté là, ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit de toi, à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Voilà les conséquences du péché. En conséquence de tout ça, tous les descendants d'Adam sont donc frappés par la malédiction. Et cette malédiction leur apporta la punition donc pour avoir désobéi à la loi de Dieu. La malédiction apporta la mort. Dorénavant, tous devront mourir. Qu'est-ce qui a amené Jésus dans le monde? Maintenant, nous répondrons à la question. Qu'est-ce qui a amené Jésus dans le monde? Nous avons déjà vu que la loi de Dieu condamnait à mort son transgresseur. La personne qui transgressait la loi méritait la mort. De sorte qu'il était nécessaire que l'être humain donc meure pour toujours. Mais le Très-Haut lui a pardonné. Il a donné son fils unique pour mourir à sa place. Jésus est venu mourir à la place de l'homme. Jésus est venu mourir à cause du péché que toi et moi nous avons commis. Que toi et moi nous continuons toujours de commettre. Parce qu'Adam et sa progéniture n'étant plus en mesure d'enseigner à leurs descendants, parce que Dieu s'était séparé d'eux, Jésus-Christ a passé 3 ans et demi à enseigner. Il a passé 3 ans et demi dans son ministère pour enseigner Dieu et son royaume et la miséricorde que Dieu nous a donnée en envoyant son propre fils qui est Jésus, mourir pour nous, mourir à notre place. Étonnamment, il y a encore beaucoup qui prétendent préparer les gens pour le royaume de Dieu alors qu'ils se rebellent toujours contre la constitution de ce même royaume. Il y a beaucoup de gens qui prétendent préparer les gens pour le retour du Christ alors qu'ils enseignent que la loi a été clouée sur la croix, que Jésus est la fin de la loi, que la loi ne nous regarde, ne nous concerne plus, nous n'avons pas à marcher sous la loi. Ces gens-là disent préparer les gens pour le royaume céleste et pourtant ils se rebellent contre la loi de Dieu. Et pourtant, ces mêmes personnes respectent les constitutions des pays dans lesquels ils habitent, dans lesquels ils vivent et les pays où ils voyagent, car ils ne veulent pas être tués ou être emprisonné. Satan est la cause de tout cela, chers amis, car il a reçu ce royaume d'Adam. Car lorsque Adam a péché, il a perdu toute autorité, il a perdu la domination sur ce monde. C'est Satan dorénavant qui est le prince de ce monde. C'est Satan dorénavant qui est le roi de ce monde. Et il continue à faire croire aux gens que le royaume de Dieu n'a pas de loi. Que nous pouvons aller au ciel sans observer la loi. Mais la bonne nouvelle, chers amis, est que Jésus revient bientôt pour détruire Satan et tous ceux qui ont été trompés par lui. Il revient créer une nouvelle terre où les justes vivront. La terre dont les justes hériteront pour l'éternité. La parole de Dieu montre que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les prophètes
ont obéi à la loi de Dieu. Tous les apôtres et Jésus lui-même, ils ont tous obéi à la loi. Et que ceux qui se rebellent contre lui seront punis par le feu qu'il détruira. Ainsi, Satan et le monde et le péché lui-même. Le feu plutôt, détruira Satan, détruira tous ceux qui ont suivi Satan, détruira son monde. Le feu revient, Dieu enverra le feu bientôt pour tout détruire, détruire le péché, détruire là où le péché se cache. Nous venons de vous dire que tous les prophètes ont observé la loi. Nous allons voir si la Bible est d'accord avec cela. Abraham, par exemple, le père de la foi, dans Genèse 26, verset 5, nous lisons, « Je le ferai parce qu'Abraham a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes, mes lois. » Genèse 26, verset 5. Abraham a obéi la loi de Dieu. Qu'en est-il de ses descendants, les Israélites? Nous lisons dans Exode chapitre 24, le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. » Le peuple d'Israël a observé la loi de Dieu. Qu'en est-il de Jésus-Christ lui-même? Nous lisons dans Jean chapitre 15, le verset 10, Jésus qui déclare, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Observer les commandements de Dieu, c'est demeurer dans l'amour du Christ. Lorsque vous dites que les commandements de Dieu n'existent plus, ne sont plus en vigueur, vous prêchez un autre Jésus. Vous n'êtes pas dans l'amour du Christ. Il y a un autre Christ que vous servez. C'est Satan. Qu'en est-il des disciples de Jésus? Ont-ils observé la loi? Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 4, il est écrit, « Si quelqu'un dit, je le connais, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. » Et la vérité n'est pas en lui. Jean, qui est l'un des apôtres du Christ, c'est lui qui dit, je connais le Christ, mais qui n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. Même s'il fait des miracles, qu'il soit passé, archevêque, que peu importe qui il est, c'est un menteur. Il est au service de Satan. La vérité n'est pas en lui, c'est la Bible qui vient de le dire. Qu'en est-il de l'apôtre Paul? C'est lui qui a été envoyé aux païens, vous et moi, les non-juifs. C'est lui qui a envoyé aux nations, hors d'Israël. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 19. Que l'on soit circoncis ou non, n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Donc l'apôtre Paul lui-même a observé les 10 commandements. Qu'en est-il de l'Église de Dieu? Alors dans Exode chapitre 20, le verset 5 jusqu'au verset 6, il s'agit du deuxième commandement. Mais qu'ils ont à partir du verset 5 de ce deuxième commandement? Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui m'ont haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Dieu dit de ne pas se prosterner contre les idoles. Donc, nous devons obéir au commandement de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, la parole de Dieu dit que de nombreux prophètes sont venus de toutes parts. Ils sont sortis de nulle part. Et d'autres prophètes viendront en grande quantité, en grand nombre.
Ils viendront de partout dans le monde, dans le seul but d'induire en erreur beaucoup de personnes. Ceux qui ne peuvent pas garder la loi. Ceux-ci, ces prophètes-là, ils ne peuvent pas garder la loi de Dieu. Vous qui êtes prophètes autoproclamés, êtes-vous au courant de tout ce qui concerne le royaume de Dieu? La constitution de son royaume et le sacrifice qu'il a donné au monde. Êtes-vous au courant de tout cela? Ou le diable vous a-t-il montré ce qu'il a montré à Jésus dans le désert? Soit la gloire, la richesse, le miracle de transformer les pierres en paix. Dans Luc chapitre 4 verset 6, c'est Satan qui déclare ceci à Jésus. Il lui dit, « Et je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Ou, si vous travaillez pour le royaume de Dieu, êtes-vous prêt à combattre le diable, car vous proclamez et notre royaume, celui de Dieu, tout en étant dans le royaume de Satan, son monde. Vous avez les pieds dans son monde, dans son royaume de Satan, et vous proclamez un autre royaume. Vous lui déclarez un coup d'état. Êtes-vous prêt à combattre Satan? Êtes-vous solide avec l'aide du Saint-Esprit? Car nous ne pouvons pas mener ce combat. Réexaminez et assurez-vous que vous ne servez pas le diable. Servez-vous le Dieu du ciel. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les enfants de Dieu, chers amis, jusqu'à la fin des temps, ce sont des gens qui gardent les 10 commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Que le Très-Haut nous aide à faire de sa constitution une mesure qui nous aide à connaître les vrais prophètes de ceux de Satan. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Merci Père éternel pour ce rappel. Merci pour ce message qui nous rappelle la mission de Jésus, qui est ce qui a mené le Christ dans ce monde. Aidez-nous à connaître le péché. Aidez-nous à obtenir la victoire sur le péché, afin que nous soyons parmi les héritiers de ton royaume. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.